Bonjour, aujourd'hui j'accueille l'historien Jacques Poels. Avant de l'interroger, je vous donne deux, trois nouvelles. Je vous avais annoncé qu'on allait à Beyrouth au Liban participer au salon du livre francophone et malheureusement on a été censuré, il faut employer le mot, par le ministère de la Culture, la présidence de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui, en Belgique, on a 6 gouvernements, c'est un peu compliqué. Et on a été complètement censurés, donc nos livres n'ont pas pu aller sur le stand. La conférence que je vais tenir avec un ancien ministre des Finances du Liban et un journaliste, annulée. L'explication, c'est que voilà, le lobby pro-Israël a dit que c'était intolérable que je puisse prendre la parole. Et donc, la Belgique qui prétend défendre la liberté d'expression pour le Moyen-Orient a donné exactement l'exemple de la censure. Nous avons quand même fait des rencontres et des entretiens, notamment au camp de réfugiés de Shatila et des conférences. Puis nous sommes allés, je dis nous, avec Federica Morelli, un jeune collègue d'Investigation. Nous sommes allés en Syrie, où nous avons fait des interviews très intéressantes, notamment avec un ministre de la Réconciliation, qui est un dirigeant de la partie d'opposition, avec le moufti de Damas, de la Syrie donc, très très impressionnant, et un reportage sur les tunnels à partir desquels opéraient les touristes dans la banlieue de Damas. Voilà. Aujourd'hui donc, et vous aurez des nouvelles de tout ça, on a fait des vidéos, on va prendre un peu de temps pour les monter, et on vous informera, et bien entendu, on ne se laisse pas faire au niveau de la censure. J'ai demandé une entrevue au ministre-président de Motte et à la ministre de la Culture Gréoli. J'attends la réponse. Je trouve intolérable qu'on censure des gens simplement parce que leur opinion ne vous plaît pas, parce qu'elle est trop critique envers Israël. J'estime qu'on ne respecte absolument pas l'égalité des citoyens et la liberté prévue dans la Constitution. Mais ça, c'est pour plus tard. Aujourd'hui, donc avec Jacques, Jacques, il a publié plusieurs livres. Je vous montre rapidement les couvertures. Il a publié 14-18, La Grande Guerre des Classes, et on vient de célébrer la fin de la guerre 14-18, donc c'est vraiment l'actualité. Il a aussi publié Le Mythe de la Bonne Guerre, les États-Unis ont-ils fait vraiment une bonne guerre en 40-45, Big Business avec Hitler, ceux qui font le business, ben, c'est le gros business aux États-Unis, donc c'est une collaboration, y compris pendant la guerre, et donc voilà, il est vraiment la personne tout à fait indiquée pour nous parler de, ben on vient d'avoir la fameuse célébration, Macron a fait un grand show là, avec tous les chefs d'État, et Trump qui n'était pas très content, mais bon, et dans ce show, il a donné une phrase qui m'a marqué, il a dit, les poilus, donc ces millions de Français, mais aussi les Anglais, les Britanniques, des Belges, des Allemands, les poilus ont sacrifié leur vie, ils se battirent, je cite, pour que la France reste la France. Jacques, d'accord avec cette belle phrase très noble de Macron ? Non, je suis d'accord, c'est une très belle phrase, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. La France est partie en guerre en 14 parce que l'élite de la société française voulait la guerre. Ils souhaitaient la guerre, mais pas pour garder la France telle qu'elle, mais pour garder, pour préserver, pour protéger le système social et le système économique, donc une société où eux, ils contrôlaient les choses, à un moment tout de même où ils avaient une grande peur de deux choses. Tout d'abord, la révolution, qui était dans le programme de la plupart des partis socialistes qui étaient encore marxistes en ce temps-là, et donc révolutionnaires. C'est une période chaude où il y a beaucoup d'agitation. Oui, 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 parce que la belle, soi-disant belle époque n'était pas belle du tout. Dans la belle époque des années entre 1910, disons, et 1914, était marquée par beaucoup de grandes grèves, de manifestations, de violences un peu partout, non seulement en Europe, en France, bien sûr, mais autour part, en Russie, mais aussi un peu partout au monde. Quoi. Il y avait de grands problèmes partout et ça faisait peur. Et ça va déboucher sur 1917 et c'est ça qu'ils craignent. Ouais. L'idée, c'est qu'une bonne guerre est nécessaire pour remettre donc pour créer l'ordre, pour préserver le système. Parce que si on ne fait rien, si on laisse faire, il y aura la révolution. Alors, mieux la guerre que la révolution. Parce qu'on avait déjà appris que la guerre, c'est une façon
d'empêcher, d'éviter une révélation, et aussi une façon donc d'arrêter la démocratisation. Mmh. On n'est pas encore la démocratie complète, ça n'existe pas. Il va bientôt y avoir le suffrage universel, oui, bientôt, il y a après, des mouvements pour la démocratie, donc c'est ça qui fait peur. Alors, la Première Guerre mondiale était dans un sens un grand projet contre-révolutionnaire et antidémocratique. Mmh. D'accord. C'est quelque chose qui a été traité pour ceux qui veulent approfondir le sujet. On a réalisé avec Jacques, justement, une vidéo tournée dans les champs de bataille en Flandre, là, et les cimetières, plutôt. Et c'est très bien expliqué dans cette vidéo, 14-18, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels, une phrase d'un écrivain de l'époque qui s'appelle Anatole France. Alors Macron a dit, nationalisme non, patriotisme oui. Ça vaut quoi cette distinction ? Eh bien, le nationalisme, c'est un mouvement donc, qui est né dans un sens au 19e siècle et qui était dans un sens manipulé, utilisé par les élites, la bourgeoisie, mais aussi l'aristocratie dans des pays où l'aristocratie jouait encore un très grand rôle, comme dans l'Empire allemand, l'Empire russe et même en Grande-Bretagne, comme un contrepoids contre l'internationalisme du mouvement ouvrier, du mouvement socialiste, donc du socialisme marxiste, qui donc parlait de la solidarité donc des prolétariens un peu partout au monde. Alors une façon d'arrêter ça, d'empêcher donc de ce mouvement de prendre encore plus d'ampleur, c'est d'encourager le nationalisme. Mmh. Un nationalisme comme dans cette extrême, comme le chauvinisme, comme on dit dans le cas de la France, ou le jingoïsme, comme on dit en anglais. Donc, on dit, en Angleterre, par exemple, « my country right or wrong », mon pays toujours raison. Mm-hmm. Donc, le gouvernement a toujours raison. Alors, c'est une façon, en fait, de soutenir le système tel qu'il était. Et le système, dans la plupart des pays en Europe, dans la majorité, dans presque tous les pays, n'était pas encore un système démocratique. Même en Belgique, il n'y avait pas le suffrage universel. Et surtout sur le plan social, parce qu'en démocratie, ce n'est pas seulement une chose politique, c'est aussi une chose sociale. Ça veut dire qu'une démocratie, c'est un système où le démos, le peuple, le mot grec pour peuple, puisse avoir quelque chose à dire dans la politique, où il profite dans un sens de la politique, où la politique, les politiciens font quelque chose pour le peuple. Alors, et quand Anatole France dit ces millions de gens se sont battus pour des industriels, ça veut dire que c'est une guerre pour le fric. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Oui, la guerre donc était dans un sens un projet, comme je dis, contre-révolutionnaire et antidémocratique, mais c'est aussi un projet, disons le mot, impérialiste, parce que tous les pays se faisaient la concurrence, les systèmes économiques nationaux, pour ainsi dire, se faisaient la concurrence et il s'agissait surtout d'acquérir des territoires où l'on pouvait aller chercher les matières premières dont notre industrie avait besoin, où nos banques pourraient aller faire des investissements. Oui, le caoutchouc, le cuivre, tout ça. Et alors aussi où il y a de la main d'œuvre bon marché. Je pense à la France, par exemple, qui avait comme colonie le Vietnam, où il y avait le caoutchouc. Et il y avait des milliers de gens pour y travailler pour presque rien, pour offrir le caoutchouc à Michelin, qui en a profité. Enfin, en fait, la richesse de Michelin est venue de l'Indochine. Quand l'écrivain français Balzac dit « derrière chaque grande fortune se cache un crime ». C'est ça, oui. C'est... Et de la même façon, l'Allemagne, la Grande-Bretagne avait son œil sur la Mésopotamie, une province de l'Empire ottoman, qui est devenue plus tard l'Irak. En fait, la vraie raison pour laquelle la Grande-Bretagne est entrée en guerre n'était pas pour sauver la petite Belgique, c'était pour mettre la main sur le pétrole de la Mésopotamie. Contre l'Allemagne. Oui, et tandis qu'une petite armée est venue ici se battre à Mons et autre part au nord de la France, entre-temps, le gros de l'armée britannique est arrivé à Basra et a marché vers Bagdad et vers Mossoul. Et à la fin de la guerre, les Britanniques étaient les maîtres du Moyen-Orient. Donc, quand le célèbre journaliste français Daniel Mermet rejette cette phrase de Macron et dit « Non, ces poilus ne se sont pas sacrifiés, ils ont été sacrifiés, c'est juste. » Oui, ils ont été sacrifiés, c'est certain. Et là, il faut encore ajouter que avant la Première Guerre mondiale, les élites, une minorité démographique dans chaque pays, l'Allemagne, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, avaient une grande peur, ce qu'on appelait dans ce temps-là les masses. Les masses étaient supposées être bêtes et cruelles. Et la démocratie, ça menaçait,
en fait, d'amener la masse au pouvoir. Seule La peur l'élite de était ça. capable de gérer le Oui, pays. il fallait une oligarchie en ce sens. Une élite devait. C'était un peu le message du grand philosophe dans ce genre-là, de Nietzsche, qui était lu non seulement en Allemagne, mais qui a une grande popularité en France aussi, et même aux États-Unis. Parce que lui, il disait, la démocratie, c'est une grande erreur, c'est un crime. Il nous faut l'esclavage. Il faut qu'une élite de gens beaux comme moi et intelligents comme moi, comme nous, en fait, règne et que la masse suive les ordres. Alors, une façon de faire ça, le grand problème, c'était qu'avec le mouvement ouvrier, l'avènement des partis socialistes, les masses se sont montrées dangereuses, c'était la classe dangereuse. Alors, une guerre, c'est une façon d'arrêter tout cela, de leur mettre un uniforme et les faire obéir les ordres que nous allons donner. Il faut obéir inconditionnellement. Et comme les masses étaient trop nombreuses, l'idée que des dizaines de milliers allaient mourir sur le champ de bataille, ce n'était pas si grave que ça. C'est dans ce contexte qu'on peut Il y avait trop de gens, comprendre, il y avait trop d'ouvriers. c'est ça, c'est le malthusianisme aussi. Dans ce contexte, on peut comprendre que des types comme le maréchal Haig en Angleterre envoyaient des soldats vers leur mort. Et si à la fin de journée, il y avait 20 000 morts, ou même 30 000 comme dans la première journée de la bataille de la Somme, le 1er juillet 1916, ce n'était pas grave. Parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. En France Ils sont aussi, trop Pétain, nombreux. Lyautey, ils ont sacrifié Ouais. Et s'il y en a encore plus, énormément. et s'il y en a plus chez nous, on vient chercher les Sénégalais, on va chercher les Indiens ou les Algériens, les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs d'Afrique du La Nord. chair à canon. Ah, la chair à canon, oui. Bon, c'est passionnant, mais comme tu as écrit d'autres livres, je voudrais qu'on en vienne à 40-45. Là, quand même, on a critiqué notamment les États-Unis, mais là, ils ont fait une bonne guerre. Ils sont venus, nous dit-on, pour nous délivrer du fascisme. Oui, les États-Unis sont un pays qui a connu beaucoup de guerres, dont beaucoup de guerres n'étaient pas si bonnes que ça. La guerre contre les Indiens, c'était des massacres en fait, et d'autres guerres contre le Vietnam. Mais de la Deuxième Guerre mondiale, on est convaincu aux États-Unis que c'était vraiment une bonne guerre. Et en Europe. Oui, surtout on s'est battu contre le méchant Hitler et les méchants japonais, bien sûr. Du bon côté, donc, alors tout était en ordre. Là, les États-Unis se sont vraiment battus pour la liberté, la démocratie, la justice, etc. Eh bien, c'est un mythe, ce n'est pas vrai du tout. C'est déjà une première anomalie quand on aimerait croire ce mythe. Une première anomalie, c'est le fait qu'ils ne sont pas venus sauver les pays des petites démocraties telles que la Belgique, qui a une plus grande démocratie comme la France, en 39 ou en 40. Ils étaient là de côté, ils n'étaient pas intéressés. Ils sont venus à la fin, très tard, à la fin de 41, et à cause d'une attaque japonaise. On peut se demander si les Japonais n'avaient pas attaqué Pearl Qui ont Harbor, attaqué la flotte quand et est-ce que détruit la flotte à les Pearl ouais, Harbor. c'est ça, quand est-ce que les États-Unis seraient entrés en guerre? Est-ce que ce livre que je montre là, Big Business avec Hitler, il éclaire cette question? Est-ce que les États-Unis ont fait du business avec Hitler Ah oui. encore avant et pendant la guerre? Oui, c'est une chose peu connue. Mais tout de même, on commence à mieux connaître tout cela parce qu'il y a de plus en plus d'études là-dessus. Quand j'ai écrit ce livre-là, il y a des années, c'était encore assez neuf. Je ne dis pas que j'ai inventé tout cela. C'était le premier à le savoir, à en écrire. Non, c'était déjà assez connu, mais pas par le grand public parce que les médias n'en parleront pas. Toi, tu sais comment ça Ah marche. oui, moi j'ai été éduqué ici en Oui, Belgique. oui, Les Américains nous ont oui. libérés, il faut être reconnaissant. Ouais. Et selon les médias, les mainstream médias, comme on dit, tout le monde, on aime faire croire que les États-Unis étaient détestaient Hitler et adoraient la liberté et la démocratie. En fait, la réalité, c'est qu'il y avait des Américains qui détestaient Hitler, les Américains juifs, les Américains de souche polonaise, par exemple, après la guerre. Mais la plupart des membres de l'élite américaine, les banquiers, les industriels, ils aimaient Mussolini, ils aimaient Hitler. Pourquoi? Parce que, comme ils disaient, on peut faire des affaires avec Hitler. Et non seulement ça, mais il était anticommuniste, ça aussi. Mais avec Hitler, on pouvait faire des affaires. Et les gens ne savent pas, la plupart des gens ne savent pas que les grandes entreprises américaines et banques avaient de très grands investissements en Allemagne, qui ne faisaient pas de bonnes affaires avant 1933, quand Hitler est arrivé au pouvoir, mais qui, commençant en 1933, ont fait de très bonnes affaires, parce que Hitler a commencé le réarmement de l'Allemagne. Il a commandé auprès de Ford, par exemple, General Motors, qui avait une grande usine Opel, toujours là, du côté de Mainz, des camions, des chars,
des moteurs d'avion. Et il a payé, ils ont payé les factures. Alors les entreprises américaines ont gagné beaucoup d'argent. En Allemagne, même dans le contexte de la Grande Dépression, comme on dit en Allemagne, la grande crise économique des années 30, ils ont gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Tandis qu'en Amérique même, ils gagnaient beaucoup moins d'argent. Alors ils adoraient Hitler. Ils souhaitaient même avoir un Hitler au pouvoir à Washington. Alors ils adoraient Hitler. La dernière chose qu'ils voulaient, c'est d'aller faire la guerre contre Hitler. Seulement, quand la guerre a éclaté, la guerre même est devenue une grande source, donc une corne d'abondance, de bénéfices, parce qu'on pouvait aussi maintenant produire pour les Britanniques, et plus tard pour les Soviétiques même, ainsi que pour les Allemands, par l'intermédiaire de leur succursale en Allemagne. Alors la guerre, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est en fait la Deuxième Guerre mondiale qui a sauvé l'économie américaine, qui n'est pas sortie de la grande crise des années 30, parce que Roosevelt a fait construire quelques autoroutes et quelques barrages, comme on aimerait nous faire croire. Non, c'est la guerre qui a créé, stimulé la demande dont l'économie américaine avait besoin. Et c'est à cause de cela que les États-Unis, même après 1945, n'ont jamais pu arrêter de faire la guerre, parce que la guerre, c'était le dynamo de l'économie américaine. Bien. Les États-Unis sont quand même finalement intervenus contre les fascistes, contre le nazisme. Pourquoi ? Ils n'ont pas voulu intervenir contre le fascisme. En fait, aux années 30, il y avait dans le tiroir du haut commandement américain des plans de guerre contre trois pays. Le premier, le Japon. On voulait la guerre contre le Japon. Et en fait, on a provoqué l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Ce n'était pas une surprise du tout. Ça, c'est autre chose. Deuxièmement, contre le Mexique. On avait déjà eu beaucoup de succès avec des guerres contre le Mexique. Au 19e siècle, on a arraché du territoire de la Belgique, du Mexique, la Californie, l'Arizona, même une grande partie du Texas. C'est énorme. Alors, on pensait encore à faire la guerre contre le Mexique et une guerre contre la Grande-Bretagne. Y inclut le Canada. Les États-Unis préparaient une guerre contre Londres. Ils avaient des plans. Je ne dis pas préparaient, ils avaient des plans. Mm-hmm. Mais dans le tiroir dont je viens de parler, il n'y avait pas de plan de guerre contre l'Allemagne nazie du tout. C'est à cause de cela que c'est une grande surprise, désagréable, quand, après avoir orchestré une guerre contre le Japon en provoquant l'attaque de Pearl Harbor, on ne s'attendait pas à faire la guerre contre l'Allemagne. Mais quelques jours après Pearl Harbor, c'est Hitler qui a déclaré la guerre aux États-Unis pour de toutes autres raisons que j'explique dans mes livres. Mm-hmm. Et ça, c'est une surprise, parce que les Américains avaient pensé devoir faire la guerre contre le Japon seulement, qu'ils ont sous-estimé d'ailleurs, mais non aussi contre l'Allemagne. Et donc, c'est ça l'explication pour laquelle ils sont intervenus non pas en 40 ou en 41, mais seulement en juin 44. Et pourquoi alors ils interviennent? Oui, parce que l'Allemagne nazie, Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis le 11 décembre 1941, donc très tard. On peut se demander quand est-ce que les États-Unis, quand est-ce que Washington aurait déclaré la guerre à l'Allemagne nazie si ce n'était pas l'inverse, si ce n'était pas Hitler qui l'avait fait. Peut-être jamais, parce qu'en fait, ils n'avaient rien contre Hitler. Ils faisaient de bonnes affaires. Ils ont les grandes sociétés pétrolières des États-Unis, par exemple Texaco et Standard Oil de Rockefeller. Ils ont gagné beaucoup d'argent en livrant le pétrole dont Hitler, dont les Panzers, dont les chars, les avions, les Stuka, Hitler avait besoin pour faire la guerre contre la Pologne, la Belgique, la France. Tu es en train de nous dire que la guerre d'Hitler n'aurait pas été possible s'il n'avait pas eu le pétrole des États-Unis. Absolument. C'est qu'avec le pétrole américain que les Américains ont pu faire la guerre éclair avec tant d'avions, tant de chars. Ils ont besoin de beaucoup de carburant. Et Henry Ford aussi était pour Hitler et il a aussi fait du business. Oui, Henry Ford adorait Hitler et Hitler adorait Henry Ford. Parce qu'à cause du fait qu'ils pouvaient faire des affaires ensemble et aussi parce qu'ils avaient la même idée antisémite, par exemple. Ils partageaient une philosophie, une idéologie. Ils faisaient de bonnes affaires ensemble. Le racisme anti-juif de Hitler, c'était quelque chose qui existait aussi en Europe et aux États-Unis. En fait, le racisme d'Hitler existait aussi aux États-Unis. L'antisémitisme d'Hitler existait aussi aux États-Unis. Mmh. Très peu de gens le savent, mais en 1921, Henry Ford a écrit un livre, Le Juif International, qui est
un pamphlet antisémitique de premier ordre et l'a été traduit en allemand. Hitler l'a lu, Hitler était fort impressionné. Et c'est dans ce livre-là, Hitler, Ford a expliqué son idée du judéo-bolchevisme. L'idée que, selon lui, l'Union soviétique, c'était la Russie sous le joug des Juifs. Alors les Juifs au pouvoir, ça c'est l'Union soviétique. Alors pour combattre le communisme, il faut détruire l'Union soviétique parce que ça c'est le nid, ça c'est le centre, le cœur. Et ce sont les Juifs qui sont les communistes, les communistes sont les Juifs. Et est-ce que c'est vrai qu'Hitler s'est aussi inspiré de la façon dont les États-Unis avaient réglé le problème des Indiens? Ah oui, certainement. Pour Hitler, qui donc représente l'impérialisme allemand, pour utiliser cette expression-là, l'exemple des États-Unis qui ont conquis tout un territoire, le Far West, en éliminant les habitants, les peaux rouges, et en faisant des esclaves les noirs. Alors en éliminant, ou bien en se servant de la main d'œuvre bon marché des races inférieures, Hitler a voulu faire la même chose, mais en Union soviétique, en Ukraine. Là, il y avait des peuples inférieurs, les Slaves et les Juifs. Et comme on faisait des esclaves des Noirs aux États-Unis, on allait faire des esclaves des Slaves. Mmh. Et comme on éliminait aux États-Unis les habitants, donc les peaux rouges, comme des gens inférieurs, on allait éliminer les Juifs. En fait, c'est presque exactement la même idée, le même projet qu'Hitler a poursuivi dans l'Est de l'Europe, que les Américains ont déjà réalisé dans l'Ouest américain. La conquête de l'Est. Ouais, la conquête de l'Est. Bien, c'est passionnant, mais on doit encore aborder le prochain livre que tu présentes. Donc, si vous voulez creuser, et je vous le recommande fortement, ces questions-là, je vous signale que donc 1914-1918, La Grande Guerre des Classes, s'est publié chez Delga. C'est une réédition. Le mythe de la bonne guerre, de même que Big Business avec Hitler, s'est publié chez Aden. Mais là maintenant, je voudrais un peu faire le lien avec l'actualité. En Belgique, on vient de dépenser énormément d'argent pour acheter des avions de combat F-35. C'est justifié par le patriotisme ou quoi? Non. En fait, c'est encore une fois la même idée que j'ai développée dans mon livre sur la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, et cette guerre-là, était un projet antidémocratique. Antidémocratique dans ce sens-là, contre la démocratie, non seulement politique, mais aussi sociale. Ça voulait dire que dans le contexte d'une guerre, on pouvait dire qu'on ne se permet pas de faire des cadeaux à nos ouvriers. Travailler seulement 8 heures par jour, ça ne va pas, il faudra travailler 12 heures par jour. Plus de congés payés. Plus de ceci, plus de cela, tout a terminé. Mmh. Les syndicats, pas faire la grève, c'est pas permis, c'est la guerre. À la guerre comme à la guerre. Alors, la guerre était donc quelque chose qu'on pouvait, un instrument pour, en fait, éliminer la démocratie. Mais les F-35 aujourd'hui, venir sur l'actualité... Oui, je dis, oui. Aujourd'hui c'est la même chose. Mmh. Parce que les F-35, c'est encore une fois donner priorité à la guerre, la préparation de la guerre, se préparer contre une guerre qui nous menace, etc., mais au prix de la démocratie, parce qu'un avion comme ça... Oui, les gens n'ont rien à dire. On pourrait, avec cet argent-là, on pouvait construire 20 ou 30 écoles. Mmh. Alors, et maintenant, on pose, pour avoir l'argent pour payer pour ces avions-là, on impose l'austérité aux gens. Alors, comme ça, ça veut dire moins de démocratie, plus de guerre. Parce que la guerre, comme donc antidote à la démocratie. Mmh. Ok. Je voudrais en venir au prochain livre que tu es en train de rédiger et qui, bonne nouvelle, va être édité chez Investi Action. Ça va s'appeler très probablement « Les mythes de l'histoire moderne ». Et là, tu analyses aussi, de façon un peu à contre-courant, de façon décapante, quelques moments importants de notre histoire moderne. Et tu commences en 1789. Oui. Pourquoi? Je ne sais pas si on utilise encore ce terme-là, mais on parlait toujours dans l'histoire contemporaine, commençant avec la Révolution française, qui n'est guère un phénomène contemporain. Donc, je parle de l'histoire du 19e et du 20e siècle jusqu'à nos jours. Et là, les grands thèmes, c'est la Révolution française, qui était dans ce sens la mère du 19e siècle, qui était ce siècle-là marqué par des révolutions et des guerres, le père de la Grande Guerre.
et qui a marqué le cours du XXe siècle. Mmh. Donc tout ça, c'est notre un grand histoire thème, commence à ce thème, moment-là. Dans un sens, et qu'est-ce livres. Qu'il y a à creuser là-dedans? Qu'est-ce qui n'est pas correctement présenté chez nous? Ouf. La façon dont on prépare toute cette histoire-là est tout à fait fausse, quoi. Il faut tout recommencer. En fait, la plupart, c'est des mythes. Par exemple, nous commençons déjà avec... il y a des mythes positifs et des mythes négatifs. Avec le mythe négatif de la Révolution française. Quand on nous parle de la Révolution française, tout de suite, on pense à la guillotine. Mmh. Et aux têtes qui roulent dans les... Et là, il y a des criminels comme Robespierre. Alors là, tout de suite, on veut que nous croyons que cette révolution, c'est une grande erreur. Même aujourd'hui en France, il y a pas mal d'historiens qui disent oui, c'est une grande erreur, c'est la terreur, un crime. La révolution, c'est la terreur. On oublie que la révolution française était le premier pas dans l'histoire moderne vers la démocratie. On a tout de même réalisé des choses énormes quand on y pense. Avant la révolution, les Français étaient des sujets du roi, qui dominait tout, ensemble avec l'Église. L'État, c'est moi. Mais avec la Révolution française, les Français sont devenus, ils ont changé leur statut de sujet d'un roi à citoyen d'une république. Donc c'est la création de la démocratie, ouais. Et forcément ça ne plaisait pas à tout le monde, et donc c'est pour ça qu'il y a eu la bagarre. Oui, c'est ça. Alors, ça c'est déjà un grand changement. Aussi la séparation de l'État et de l'Église, les droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme, etc. C'était tout de même un pas en avant vers la démocratie. On n'allait pas arrivé à l'utopie démocratique en quelques années, mais c'était un pas en avant. Mais le problème avec les révolutions, c'était que la révolution française s'est radicalisée de plus en plus. Et à un moment donné, pas mal de révolutionnaires, surtout ceux d'origine bourgeoise, ont voulu arrêter la révolution. Je trouvais que ça devenait dangereux parce que ceux d'en bas commencent à jouer un rôle et exiger des choses qu'on ne voulait pas consentir, par exemple. Mm-hmm. Par exemple, le respect de la propriété, c'est très important pour la bourgeoisie, qui avait pourtant fait la révolution contre le monarque. Mm-hmm. Mais, par exemple, un esclave, c'était ma propriété à moi. Alors, quand Robespierre, par exemple, a aboli l'esclavage, il s'est très mécontent. Parce qu'ils nous ont volé notre propriété. Pourtant, quand quelqu'un puisse écrire un livre sur la démocratie, l'abolition de l'esclavage, c'est tout de même quelque chose de fort impressionnant. Mm-hmm. Parce que les Noirs, ce sont des gens aussi. Ils ont droit aussi, ils font partie du démos, du peuple. Mm-hmm. Alors libérer tant de personnes qui sont des esclaves, c'est énorme. Pourtant, on ne parle jamais de cela. On parle toujours des têtes qui roulent dans la guillotine. Oh, Robespierre, c'est un méchant, méchant. Mais il a aboli l'esclavage. D'autre part, on nous parle de Napoléon. Ah, quel homme formidable, des statues partout. Tout le monde adore Napoléon. Pourtant, lui, quand il est venu au pouvoir, tout d'abord, c'était fini avec la démocratie, le peu de démocratie que la Révolution avait introduite. Et c'était maintenant l'Empire. Et lui a réintroduit l'esclavage. D'accord. En deux mots, dans ce livre, il y a aussi, trouves importante, la révolution aux États-Unis. Oui, il y a des gens, et je parlerai d'un des thèmes, ce sera la révolution américaine. Alors, il y a des gens qui disent, alors, le premier pas vers la démocratie, c'est la révolution américaine. Eh bien non, c'est pas vrai. Encore un mythe. Parce que c'est vrai que les révolutionnaires américains parlaient beaucoup de liberté. Mais liberté, c'est quelque chose d'abstrait. La liberté de faire quoi? La liberté de qui de faire quoi? C'est un fait historique que la soi-disant révolution américaine n'était pas une révolution du tout. C'est une rébellion. Une rébellion, c'est un conflit entre les élites. L'élite coloniale transatlantique contre l'élite métropolitaine à Londres. Et l'élite coloniale était mécontente parce que l'élite métropolitaine à Londres, par exemple, avait dit « Vous ne pouvez plus continuer la conquête de l'Ouest. » Et donc l'extermination des peaux rouges parce que ils avaient leur raison à eux. Et ça, ne pas avoir la liberté d'exterminer les peaux rouges, peut-être même pas plus avoir la liberté d'avoir des esclaves, ça, c'était impensable. À cause de cela, des types comme Washington et Jefferson ont fait une guerre, mais ce n'était pas une révolution. C'était une révolution sale du tout. En fait, ils avaient des esclaves.
Il voulait leur liberté d'avoir des esclaves. Il ne voulait pas la liberté des esclaves. Alors, c'est pour ça qu'ils ont fait la guerre. Bien sûr, ils ont parlé de la liberté. Et aujourd'hui encore, on veut que nous croyions qu'ils étaient pour la liberté de tout le monde. Pendant... Non, ce n'est pas vrai du tout. Ils étaient pour leur liberté. Ok, c'est bien, on a bien compris pourquoi le livre s'appelait Les mythes de l'histoire. Oui. Je vois que tu es passionné, donc je ne peux pas t'arrêter. Mais quand même, on va venir, mais très brièvement, sur... des choses plus récentes encore, par exemple le fameux pacte Hitler-Staline. Dans notre éducation et encore aujourd'hui, en fait, il y a eu une alliance entre l'Union soviétique et les nazis, et c'est ça qui aurait aidé Hitler. Ouais, mais là, le chapitre sur ce pacte-là sera assez grand, assez long, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais je dirais peut-être tout de suite l'essentiel. Sans le pacte Hitler-Staline, nous parlions tous l'allemand. Sans le pacte Hitler-Staline, l'Allemagne aurait gagné la Deuxième Guerre mondiale. Et les Américains, les Britanniques n'auraient jamais pu débarquer en Normandie. C'est-à-dire que l'Union soviétique a voulu gagner du temps et s'est préparée? C'est ça. Alors, avant ce pacte-là, d'ailleurs, tous les autres pays ont fait des pactes avec Hitler. Le premier pays à faire un pacte avec Hitler, c'était le Vatican. Mais on ne parle pas de ça parce que ce n'est pas agréable. Le deuxième pays à faire un pacte avec Hitler, c'était la Pologne. On ne parle pas de ça. Pourtant, jusqu'en début 1939, le régime polonais, c'était un régime, ce n'est pas une démocratie, la Pologne, avait travaillé ensemble avec les Allemands. Parce que, par exemple, Göring était un grand ami de Piłsudski à un moment donné, etc. Mm-hmm. Ils pensaient marcher ensemble vers Moscou. Bien. Et les Français, les Britanniques et les aussi Français, les Britanniques aimaient l'idée que l'Allemagne se tourne vers l'Est pour aller anéantir l'Union soviétique. Ils ont voulu encourager ça. Entre-temps, Staline, qui savait très bien, parce que tout le monde avait lu Mein Kampf, il savait que la grande mission de la vie d'Hitler dans sa tête, c'était d'anéantir l'Union soviétique. Et en fait, Staline savait, il a proposé une alliance avec la Grande-Bretagne et la France, qui avait intérêt à contenir l'impérialisme allemand en même temps, mais qui tout de même préférait voir l'Allemagne aller se diriger vers l'Est, il pensait être sain et sauf. Donc c'est Londres et Paris qui ont refusé l'alliance contre Hitler. Oui, certainement. Bien, je vais frustrer les lecteurs, mais on va devoir s'arrêter là. Encore juste une phrase. Dans le bouquin, j'entends qu'il y aura aussi Hiroshima. Là aussi, un mythe. Hiroshima, ce n'était pas pour arrêter la guerre. Oui, le grand mythe qui est toujours en vie, c'est qu'on a dû bombarder Hiroshima, malheureusement, parce que les Japonais ne voulaient pas se rendre. Voilà, on n'avait pas de choix. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. On ne devait pas jeter la bombe sur Hiroshima ni Nagasaki. Les Japonais étaient prêts à se rendre. Mais on a voulu, Truman et le haut commandement américain a voulu bombarder Hiroshima, a voulu utiliser cette nouvelle arme, la bombe atomique, pour intimider Staline. Pour intimider l'Union soviétique. Parce que c'était la fin de la guerre, la guerre froide était déjà, allait se préparer déjà, et on a voulu intimider Staline en écrasant, en détruisant une ville au Japon pour dire, attends, cher Joseph, regarde une fois ce que nous pouvons faire aussi en Russie, au cas nécessaire. Bien. On voit donc que c'est un bouquin qu'il va falloir absolument dévorer. J'espère que Jacques aura le temps de le terminer rapidement, qu'Investigation pourra mettre en route la traduction et la mise en page. J'espère le publier au mois d'avril. Évidemment, on vous tiendra au courant. Inscrivez-vous sur notre newsletter pour ça. Une dernière question en un mot. L'histoire, c'est du passé, donc c'est inutile. Bien, c'est ce qu'on veut nous faire croire, oui, ça encore une fois. C'est un mythe, parce que c'est vrai qu'on n'encourage pas l'enseignement d'histoire. On préfère que les gens ne pensent pas. Mais l'histoire, c'est notre mémoire collective. Sans connaître notre passé, on ne peut pas commencer à comprendre le présent. On ne peut pas commencer à se faire des idées de l'avenir, comment ça va continuer. Il faut la perspective historique pour comprendre surtout ce qui se passe aujourd'hui au monde. J'essaye dans mes livres de montrer comment des choses qui se sont passées pendant la Première Guerre mondiale. Par exemple, l'idée que l'Angleterre avait besoin du pétrole de la Mésopotamie, c'est toujours actuel. Alors, on ne peut pas comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui sans connaître la préhistoire, l'histoire de la Première Guerre mondiale. Alors, l'histoire est nécessaire. Étudier hier pour comprendre aujourd'hui et c'est anticiper ça, demain. Ça, oui. Je crois que ce sera une bonne conclusion.
Merci énormément, Jacques. Je crois Avec que plaisir. c'était très passionnant. J'ai remarqué qu'il y avait un problème technique. J'espère que la connexion aura été bonne pour tout le monde sur Facebook. Sinon, de toute façon, l'émission va être rediffusée sur Facebook et sur YouTube particulièrement. Donc, je remercie Jacques de nous avoir fait vraiment mis l'eau à la bouche d'une manière passionnante. La prochaine émission, mardi prochain, je vais la consacrer à Alain Soral, puisque il y a un an, j'ai publié le livre Pourquoi Soral séduit. Dans ce livre, publié par Investigation, on traite des questions qu'il aborde dans son livre Comprendre l'Empire, à savoir banque, juifs, complot, capitalisme, crise, guerre, Israël, Hitler, fantasmes et réalité. Je crois que c'est important de comprendre pourquoi Alain Soral a refusé le débat public que je lui avais proposé là-dessus, de se demander si Soral, qui a beaucoup de conflits avec beaucoup de gens qui travaillent avec lui, c'est fini, ou si au contraire ça va avoir une influence, ça continue à avoir une influence sur les gens qui se révoltent dans la société française. Au-delà de Soral, c'est un livre pour analyser de façon scientifique et méthodique le capitalisme, le colonialisme, les guerres. Donc c'est un peu, je crois, en concordance avec ce qu'on vient de voir. Je crois que il faut analyser ces questions pour l'ensemble du débat entre les partis politiques et les forces françaises. Donc, vous pouvez envoyer vos questions à Michel Midi, investigation.net, qui va apparaître plus tard. Et on répondra et on débattra de cette question. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain à midi. Merci pour votre fidélité.